Aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit beaucoup de dentelles dans les lingeries. À la base, ça n'était pas le cas. C'était une étoffe tellement luxueuse qu'au contraire, on allait l'arborer sur ses vêtements, sous forme de col, de manchette, de cravate. Au 19e siècle, on se rend compte qu'assez rapidement, la dentelle va orner corset et culotte. Tantôt elle orne, tantôt elle se cache, tantôt on montre ses sous-vêtements, tantôt on les cache. Et finalement, nous sommes dans une période assez décomplexée pour ça, puisqu'on peut aujourd'hui porter ce qui s'apparente à un sous-vêtement en tenue de jour.